Les pieds dans le plat présente. Les stars du quotidien. Une production Radio France Mayenne. Bonjour. Bonjour. Emma, c'est José. Emma, c'est René, moi. José René, vous êtes-vous vacciné contre tous les risques que comporte votre métier? Il n'y a pas plus de vaccin, rien du tout. Quand on est au boulot, bon Dieu, d'abord on ne se blesse pas. Ça y est arrivé un coup, mon Dieu, j'ai coupé un deuil, ben, c'est le bout de l'ancileuse, enfin, c'est une ancileuse du Bézin. Mais quoique le sien qui veut y arriver, il ne pense pas à l'accident, et le sien qui ne pense pas à l'accident ne se blesse pas. Non, c'est ce que dit René, c'est vrai, puis de toute façon, on est solide. On est dans le boulot tous les jours, on est vaccineux par le boulot. On est là, bon, ben... Puis attention, c'est qu'on a ça dans le sang, tous les microbes y ont pensé. Et tous les microbes, on les a eus et on n'a pas de maladie. On sait qu'arrive à des fois que, bon, ben, on a mal à la gorge et trucs comme ça. Bon, un bon grog et hop, c'est parti. On est déchiré des plombs pour le boulot après. C'est parti. Mais c'est vrai parce que c'est terrible. On n'est pas assez gandilleux à ce qu'on fait. Parce que, bon, on est blessé, faut être prudent. Bon, ben, une fois qu'on a te blessé, faut être prudent parce qu'il faut aller tout de suite se faire coudre ou se faire remettre au rebouteux. Bon, regarde, on connaît une bonne femme pour balader chez nous. Son bonhomme attrapé un flegmon, ben, elle fut ben trop tard. Il ne veut pas soigner. Faut que tu vas te faire soigner. Ça va guérir tout seul. Ben, voilà ce qu'arrive, il va vous dire. C'est terrible. Parce que, bon, il fut vol médecin. Deux roues plus tard, mais il était très très malade, il avait 41 de température. Eh ben, le sang commençait déjà, il était grand temps, parce que il se serait mouru, le sang commençait à y tourner en graisse. Eh ben, il fut d'abord sauvé vraiment de justesse, c'était presque radical, il n'y avait pas de s'il vous plaît, monsieur, dame, là-dedans. C'est pour ça que je dis, il faut être radical là-dessus, faut y aller, on est blessé, il faut se faire soigner. Et je regrette à cette heure, parce que bon, ben... Quand je mène les vaches en pâture et tout ça, bon, ben, les chemins, il y a des trous dedans. J'ai plus le gros orteil, c'est la patte gauche. La patte là, que vous voyez, ben, elle ne tient plus. Il y a des fois déséquilibre. Mais le gars que tu parles, José, c'était pas ça au départ, parce que sa maladie, il te tube. Et il finit, d'abord, il finit de se battre, il se met de l'engrais à coup avec lui. Par les vapeurs d'engrais, ça le rendait as. Il devenait fou par ça. Toutes les vapeurs, il rentrait dans la tête. Ce qu'il y a, bon, bah, je pense, je n'ai pas été à l'école longtemps, je suis sorti premier de l'école bah, parce qu'il y avait le feu, mais ça n'y a rien à voir. Je pense que le gars-là, il aurait été pris avant, comme tu dis, José, je pense qu'il aurait pu être sauvé, parce que c'est un gars qui était solide. As, je suppose que vous voulez dire asthmatique, René. Antiparasite, c'est les gars qui l'ont l'as par les oreilles, ils n'ont pas d'antiparasite dans le fond, alors c'est des gars qui sont moins solides que nous. Parce que ils n'ont pas la santé, ils ont les poumons brûlés. Au lieu de n'avoir deux, nous on a deux. Un patch out, eux ils n'ont qu'un. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas respirer autant comme nous. Et qu'au moment où qu'ils respirent de trop, hop, si jamais il y a des poumons, une poumonnette, qu'on appelle ça, ils lâchent, c'est là qu'il devient complètement violet, qu'il y en a par chez nous qui sont tout violets, c'est parce qu'ils n'ont plus de poumons. Voilà, c'est ça. Le sang qui tourne en graisse. Sur le gars-là, ça y tape sur le système. Bon, ça y monte dans le sang, il attrape la petite sémie. Il fut intraitable, parce que ça fait que le sang y tournait en graisse, et la graisse, ça y donnait un flegmont. C'est pour ça qu'il avait une grosseur là, et qu'il était grand temps à le soigner. C'est un risque qui peut arriver. Et c'est pour ça que là, faut être regardant à ça, c'est très, très, très grandilleux, et il faut faire attention, parce que c'est terrible. Quand ça prend quelqu'un, il ne peut pas s'en réchapper s'il est pris trop tard. Lui, il fut pris un peu tard, mais il aurait été pris un peu plus tard, il était baisé.